Que sont les élections? Les élections sont des débats d'idées, ainsi que des courses au leadership et au pouvoir, où des groupes et des individus s'affrontent pour obtenir l'appui du public et finalement son vote. Votre vote. Ces groupes sont appelés des partis politiques. Ils sont composés de personnes partageant des idées et valeurs politiques similaires et qui souhaitent apporter des changements significatifs. L'issue de l'élection détermine l'orientation politique de notre gouvernement, qui est en contrôle et quelle politique mettra-t-il de l'avant. D'accord. Mais qu'est-ce qu'un système électoral? C'est la façon dont les électeurs établissent leurs préférences et dont le gagnant est sélectionné. Il existe généralement de nombreux systèmes différents à travers le monde. L'Ontario a recours au système uninominal à scrutin majoritaire ou système majoritaire uninominal. La province est divisée en 124 petites zones géographiques appelées circonscriptions électorales, dans lesquelles se tient une course visant à élire un député provincial. Les électeurs ne peuvent choisir qu'un candidat sur leur bulletin de vote, et le candidat ayant le plus grand nombre de votes est déclaré le gagnant. Dans notre système, les électeurs ne peuvent pas voter directement pour le dirigeant de la province. C'est le parti politique qui fait élire le plus grand nombre de députés qui forment généralement le gouvernement. Et le ou la chef de ce parti devient le premier ou la première ministre. Alors, comment se déroulent les campagnes électorales? Les partis politiques appuient des personnes qui représentent leur parti dans les circonscriptions et qui s'affrontent pour décrocher le poste de député provincial. Certains candidats sont aussi indépendants, ce qui signifie qu'ils ne sont associés à aucun parti politique. Lors de la campagne électorale, les partis et les candidats font connaître leurs idées ou plateformes au public et tentent d'obtenir son appui. C'est ici que vous entrez en jeu. En tant qu'électeur, vous avez un rôle à jouer. Vous devez déterminer quel parti ou candidat reflète vos opinions, quelles idées vous tiennent à cœur et qui est la meilleure personne pour diriger votre communauté et la province. Faites des recherches, suivez les nouvelles et parlez avec vos parents et amis. Ensuite, à vous de choisir!